Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur notre série. Alors, je suis désolé, j'ai enregistré cet épisode avec du retard. Du coup, elle va sortir, ben, elle aura 2 heures, peut-être 2 heures de retard. Désolé, j'étais pris par le travail. Allez, hop, on se retrouve donc sur notre fin de saison avec le Havre. Peut-être que demain, on se finira la saison d'ailleurs, parce qu'il reste 5 matchs. Donc on pourra nous faire nos 2 matchs ce soir. Et peut-être, si vous voulez, vous me le direz en commentaire. Mais si vous voulez, on finit la saison demain avec nos 3 derniers matchs. Avant de commencer, je voudrais remercier Adrien et Juju Lolo là, pour vos commentaires. C'est sympa. Écoutez, je suis content que vous preniez du plaisir à suivre la série. Ben moi aussi, je prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment très sympa. Alors, on a perdu notre première place hier. On est sur une série, on a réussi enfin à gagner un match. Donc on a 3 matchs nuls, une défaite, une victoire. On joue dans 12 jours contre Nancy. Ça veut dire qu'on a un peu de temps pour préparer le prochain match. De toute façon, on va tout donner. On risque plus grand-chose maintenant. Au pire des cas, on finira quatrième. Enfin, on dira. On peut encore finir plus bas, mais je pense pas qu'on soit en dessous de la quatrième place. Donc, je pense qu'on va jouer. On va jouer un peu l'attaque. On va pas faire de match amical. On va axer la semaine sur de l'entraînement. Alors, voyons. On a quoi ici? Tac, tac, tac. Du pressing, on n'est pas trop mal. Je vais quand même en mettre du pressing. Alors, du pressing ici. Tac. Contre-attaque, on va s'en mettre une là. Contre-attaque. Contre-ballon long, non. Contre-pressing. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Quelques corners peut-être ici. Corner surface. Ok. Allez, on va partir comme ça. On va faire attention. Par contre, j'ai pas mis de jour de repos. Il faudra que je pense à les faire récupérer un petit peu quand on se fait une semaine d'entraînement à bloc. 8 jours avant le match de Nancy. Atelier ennuyeux. Il trouve les ateliers d'entraînement ennuyeux. Eh ben écoute, chance métier ici mon gars. Qu'est-ce que je te dis moi? Bon, ça s'améliore toujours. Qui préserve. Hop, alors. Préparation du prochain match ici. Et on va se faire de la finition. Allez, tac, tac. Physiquement, on est un peu fatigué. Hop. On joue à domicile. Alors ici, deux. Là, décrassage de la récupération. Ici, de la récupération. Voilà. Tac, tac, tir lointain. Attention, ça fait un tir de loin, là. Tir de loin. Ah, les dribbles, on avait dit qu'il fallait qu'on se travaille les dribbles. Dribble. Dribble. Tir lointain. Centre, centre. Ok, je pense que c'est pas mal. Allez, match approche, la pression monte. Aïe, aïe, aïe.
Ah, je voudrais quand même qu'on gagne ce match, ça nous permettrait de rester dans la course. Allez, on va prendre match après match. Allez, bon, voyons, les blessés, on en est où de nos blessures? Thiaré, il a encore il a eu un carton rouge, c'est vrai, il a pris direct un carton rouge hier. Ailier gauche, ailier droit. 6-9. Romain. Ailier gauche, ailier droit. La question, c'est est-ce qu'on reste sur une. On va laisser comme ça. Avec nos ailiers. Ailier gauche, ailier droit. Timor, il n'est pas en super forme, mais on va laisser quand même. On va quand même laisser les cales sur le banc. Si jamais on veut repasser sur un milieu défensif, on l'aura. Ailier droit, ailier gauche, ça il faut que je laisse. Ailier droit, défenseur gauche, buteur. On est pas mal là. Ah, on a Hersog qui peut revenir. Ok, Meignot, il va venir sur le banc en remplacement de qui? De défenseur gauche, défenseur droit, ailier droit, ailier gauche. Milieu centre, j'ai deux milieux centraux. Sortir Basque. De toute façon, il nous fait des matchs de merde. Ok, on est bien. Allez, on y croit les gars ou on n'y croit pas? Alors, croisons les doigts. Alors, ça, on va partir à fond. Passe courte. Très offensif. Contre-attaque. Les dribbles, on a dit, on en mettait un peu plus. Tir lointain, on peut augmenter. Ouais. Là, on va jouer sur les ailes. Un peu ici. Là. Bon. Alors, attendez. Au niveau des fautes, je ne veux pas avoir de carton jaune inutile. Éviter les fautes. Éviter les fautes devant la surface de réparation. Ok, partir avec ça. Attention. Tac, tac. Importance du match. 4. Petite prime. Allez, on vous donne une petite prime, les gars. Allez. Allez. C'est parti. Coup franc pour nous. Allez, De Keller. Coup franc de loin. Boutaïb de la tête. C'est à côté. Allez, on s'est déjà créé une occasion, c'est bien. Encore une occasion pour nous avec Touré, passe longue sur le côté. Boutaï pour le centre. Arroyo, joue à l'arrière. C'est vers ici, les gars. Vers ici. Voilà, par là. Et arrêtez la talonnade. Allez. De Keller, dribble. Vas-y, mon petit! Oui! Allez. C'est bon, ça, les gars. Corner. Arroyo, Timor, la passe longue, le centre, la tête, c'est à côté. Allez, pour l'instant, on domine le match. Mais dominer n'est pas gagné. 67% de possession pour nous. Allez, on a tous les ballons. Il faut en faire quelque chose, il faut marquer. Un centre. Oliveira, transversal, le tir, c'est à côté. Putain, on en fait des tirs. Hein. Allez,
30e minute de jeu. Allez, encore Hersoy à l'attaque pour Arroyo. Passe sur le côté et c'est hors jeu d'Oliveira. Allez, attention Nancy à l'attaque. Ce serait con de prendre un but sur la seule action qu'ils ont fait du match. On est capable. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Ouf. Ouh là là, c'est pas assez un but d'écart. Allez, De Keller au coup franc. C'est un coup franc lointain. Il va tirer dans le tas. Touré pour le tir. Oh, putain, mais quoi, il peut louper ça? Il est en face des caisses. Allez, Nancy à l'attaque. Le dribble. Allez, ils en font des dribbles. La passe. Le dribble. Arrêtez-le. Oh. Oh là là, mais on va faire une crise cardiaque. Allez. Encore un coup franc pour De Keller. Allez, tire dans le tas. Allez, Hersoy va tirer. Oui. 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 2-0. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est à mi-temps. Bon. Alors, voyons. Arroyo qui est à 4,5 de notes. Il faut se ressaisir, mon gars. 4 Timor. Il n'est pas de son match aussi. Vous pouvez faire mieux, tout ça. Vous pouvez faire mieux. On va surveiller ça. Si on voit que ça ne s'améliore pas, on va les sortir. C'est pas la peine de garder les joueurs. Allez, De Keller coup franc. Oui, oui. Ah, on retrouve notre Havre conquérant. Attention, Nancy à l'attaque. Le dribble. Nancy joue beaucoup en dribble, par contre, par rapport à nous. Le centre, la tête, c'est arrêté. Enfin, notre gardien, il est dans un bon jour aujourd'hui. Oliveira qui prend un carton jaune, un corner pour nous, Youssouf. Pour Touré de la tête, Arroyo de la tête, c'est arrêté. On va faire un remplacement. Alors on a Arroyo qui est pas du tout dans son match aujourd'hui. On va le sortir. Ensuite, qui c'est qu'on n'a pas qui est du tout dans le match. Ah, je me suis trompé. Oh, je me suis trompé. Quelle couille. Oh, je suis mauvais. J'ai foutu Arroyo à droite. Oh là 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 là. Défense à droite. Bon. Décidément. Allez, on est parti comme ça. 3-0. Carton jaune. Pour Touré. Après, j'ai pas de défenseur pour le remplacer. 65e minute de jeu. Les gens qui sont fatigués, donc ça va pour l'instant. Allez, un coup franc pour De Keller. Allez, mon gars, tu peux le faire. Arrêtez. Un coup franc. Pour Nancy, sur le côté, hors-jeu. Hors-jeu. Nancy, ils n'ont pas existé dans cette rencontre. On a été... on les a mis au pied du mur. Défenseur centre. Je peux pas le rentrer, j'en ai plus. On va finir comme ça. Hein. On va se garder de changement en cas de blessure. Allez, 3-0. Coup franc de Nancy. À la limite de la surface. Demi-volé, c'est raté. 80e minute. Notre défenseur gauche qui joue pas très bien. On va essayer de le garder quand même. Allez, Timor pour Bonnet. Bonnet ne passe long sur le côté, sur Cornet. De Keller pour le centre. Youssouf à demi-volé. Oui, 4-0. Ah, ça fait du bien au moral, ça. Ah, ça fait du bien au moral. On renouvelle la victoire. Bonnet. Boutaï pour le centre. Timor de la tête, c'est à côté. Ah, ça fait plaisir de les voir jouer. Bon, certes, on a joué contre Nancy qui est 12e. Mais bon,
Hein, on a vu des matchs qu'on a perdus contre le dernier du championnat. Hein, et en plus à domicile. Allez. Donc Toulouse qui a dû gagner ses matchs, évidemment, 4-0. Donc ben, ça ne change pas pour l'instant. Guingamp qui ont gagné aussi. Donc on va dire pas de changement en tête du classement. Hein. Rien n'a bougé. Tous les favoris ont gagné. Bon. Ah, ça fait plaisir. Hein. Notre gardien qui progresse. Encore une étoile. Bon, il a 19 ans. Il a un grand espoir. Donc il peut encore progresser. 4-7, c'est pas assez important. Mais c'est bien, il progresse. Voilà. On va préparer le prochain match. Et joue sous les ailes. Ouais, ça me va bien ça. Bon. Plus que 4 matchs, les gars. Donc on va se faire notre dernier match aujourd'hui contre Clermont. Clermont 11e. Après, demain, on aura Grenoble, Rodez et Chambly. Si on se fait les 3 matchs, vous me le direz dans les commentaires si vous voulez qu'on se fasse une session un peu plus longue, qu'on s'enquille les 3 matchs demain. Comme ça, on finit la saison et on sera fixé sur le dénouement de notre saison. Qui est au-dessus des espérances. On avait objectif 7e place. Alors c'est vrai que ça me ferait chier de finir deuxième, mais c'est comme ça. C'est notre faute. Hein. On a eu un passage à vide. On a mal joué à un moment donné. Et puis, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Attendez. Prochain match dans 12 jours. Prochain match dans 12 jours. Donc ici, ça c'est les attributs qu'on travaille. Okay. On va quand même leur laisser le dimanche de repos. Va être gentil quand même. Ouais, c'est un dimanche. Avec la famille quand même. Alors, qui c'est qu'il y en a qui est progressé? Ailier gauche, 18 ans. Il a quoi comme stat lui? Il est bon en corner, bon en centre, très bon coup franc, bon en puissance de tir. Bon, c'est un buteur, ça commence à être pas mal ça. Il n'a pas une grosse note, il est encore à 5, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut lui faire l'entraîner? Alors, sachant que vous voyez. En fonction du niveau de talent du joueur. Lui, c'est voilà, il n'a qu'une seule étoile. Tout ça, ça pourra jamais être. Tout ce qui est dans le noir, là, ça pourra jamais être débloqué. Ce qui fait que c'est un joueur, il va être forcément rapidement bloqué dans ses évolutions. Mais bon, il a quand même des bons stats quand même. Donc, Vista, centre, créativité, accélération. Enfin, travailler l'accélération pour un ailier, c'est important. Tac. Les Toulousains, ça sera compliqué d'aller chercher. Ils gagnent tous leurs matchs. Basilou, il progresse aussi. Bon, lui, il a 2 étoiles. Vous voyez, déjà, il a un peu plus de cases qu'on pourra débloquer. Oh, il est quoi lui? Il est bon en dribble. Il est très bon en coup franc. Il est bon en passe longue. Il est très bon en technique. Ça serait bien qu'il ait un peu de centre quand même. C'est un débuteur. Course en solo. Accélération. Corner. Contrôle les ballons. On va faire travailler l'accélération. Ah, De Keller qui progresse. De Keller, on l'a pas. Il n'est pas chez nous. Hein. C'est un joueur qu'on a en prêt. Alors, c'est peut-être un joueur qu'il faudrait qu'on achète ça. Si on a le budget, il faut voir. 3 étoiles de potentiel. Le problème, c'est qu'il vaut 6 millions d'euros. 6 millions et demi.
Bon, on va lui faire travailler quoi, monsieur De Keyler? Il est très bon contrôle de ballon, très bon coup franc, bon passe, bon technique, passe courte. Passe courte. Technique de frappe. Technique de frappe, ce serait pas mal. Ok. Allez, qui c'est qu'on a? Cornette qui a la grippe. Après, Mera. Ah non, Mera, il a une commotion cérébrale. Oh là 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 là. On n'a pas de chance, les gars. Mera qui est notre latéral gauche. Alors, déjà qu'on n'a pas un gros effectif. Allez, on va jouer à Clermont. Allez. Puis arrêter. Pas agressivité. Pressing. Contre-attaque. Ok. Bon. Financièrement, on est pas mal, hein. On aura des sous-sous à la fin de l'année. Alors, j'aimerais que j'envoie un. On va envoyer un joueur. Hop. De sport. On va jouer en déplacement là, ce match-ci. Ici, décrassage, récupération. Tac, et une séance de récup ici. Voilà. Ça permet d'entraîner la tactique. On va entraîner les dribbles. Les dribbles. Les tirs. Ça, j'en ai deux comme ça. Tir de loin. Tir de loin. Allez. Allez, on va clairement. On va clairement. Allez, 469 km. On est parti en avion. Bon, alors notre compo. Timor, je comprends pas. Il arrive pas à se mettre en forme, quoi. On l'a fait jouer pourtant. Youssouf. Fontaine. Il est gauche, il est droit. Est-ce qu'on a des retours de blessure? Non, Merah, il est blessé. À gauche. Tiens, à gauche, on a vraiment. Ah, on a Koulibaly qui peut revenir. Même s'il a une forme de 4. On va le mettre quand même. Koulibaly à droite. Arroyo, c'est pas un défenseur droit. Défenseur droit. C'est qui sont tous mes défenseurs droits? Ah, ils sont blessés. Ah oui. Non, défenseur gauche. Ah, il est là. Koulibaly. À droite. Arroyo au centre. Ok. Koulibaly. Les deux Koulibaly, je sais pas si c'est des frères d'ailleurs. Yacouba et Woyo. Il est quoi? Burkina Faso. Et français. Ah mais non, c'est pas des frères. Ou alors il y en a un qui s'est naturalisé français. Bon, tac tac, il y a centre, Fontaine ici, il est offensif.
Ailier gauche. On n'a pas autre chose dans l'ailier gauche. 5-5. Allez. Bon. Ben c'est le moment du verdict, les gars. On joue avec la pression de tous les matchs. Très offensif. Tech. Là. Les dribbles. Dans l'axe. Un retrait dans l'axe. S'en mettre un peu et un retrait dans l'axe. Ouais. Puisqu'on a mis des tirs de loin. Contre-attaque. Je ne veux pas de carton inutile. Éviter les fautes devant la surface. Allez, on va mettre une prime là aussi. Allez, allez, allez les petits. Allez, clairement à l'attaque, ça commence. Balle en profondeur sur l'aile. Un centre. Encore un centre, tête plongeante, c'est à côté. Avertissement sans frais. La possession, elle est pour eux pour l'instant. Allez, un bon coup franc pour De Keller. Et on sait qu'il sait bien tirer les coups francs. C'est arrêté. C'est arrêté. On tire chacun. 50-50 dans la possession de balle à peu près. Carton jaune pour Bonnet. Attention à ne pas prendre un rouge. Encore un carton jaune pour Koulibaly. Ça fait déjà deux cartons jaunes qu'on prend. Aïe, 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 aïe. Allez, Hersoy. Allez. Passe latérale. De Keller fait la passe. Koulibaly. Passe longue. Centre. La tête. La tête. Oui. Encore Hersoy. Allez, De Keller pour le dribble. Allez, allez, tu peux le faire. Allez, mon petit. Pas par là, pas par là. Viens vers les caisses. Voilà, une passe. Encore des dribbles. Voilà, ils en font des dribbles. Des passes, il faut tirer, les gars. Tire, tire, tire. Voilà, côté. C'était bien. C'était bien, c'était bien. Bon, c'est la mi-temps. 1-0. Alors, voyons. On n'a pas de très mauvaises notes, on n'a pas de très bonnes notes, à part Youssouf, ça y est, il nous fait un bon match. Physiquement, on va pas bouger de suite, on va laisser comme ça. Même si Bonnet, bon, on va le laisser pour l'instant. Allez. Allez, allez, un coup franc pour De Keller. Allez, tu peux le faire, mon gars. Allez, une passe, un tir, c'est à côté. Allez, encore un coup franc de Keller, bien placé sur le côté. Allez, allez, oui. Allez, attention, clairement. À l'attaque, ils vont vouloir remarquer vite. Une tête. Ah oh là là, ce que je voulais pas. Bon, gardien, il est pas, il est aux fraises aujourd'hui. Notre ailier gauche, on va le changer. On va faire entrer Basilou. Basilou. Tac tac. 44. Hersoy, il faut que tu tiennes, mon gars. On a encore besoin de toi. Allez, allez, Koulibaly à l'attaque. Boutaïb, la latérale, vers l'arrière, tir de Keller. Oh, c'est arrêté. Allez, penalty. Arroyo au tir. Pourquoi c'est Arroyo qui tire?
Oui! Allez, ça y est, le break est fait, les gars. Un corner pour Youssouf sur le côté. Attention, Boutaïb au tir. C'est bien tenté, c'est bien tenté. C'est bon. On a le droit de tenter de loin. On a le droit. Donc, alors, oui, j'ai des cramés. Ersoy, il est cramé. T'as fait ton taf, mon gars, c'est bien. De Keller. Il joue très bien, il a pris un carton. On a 3-1. On est à la 65e minute de jeu. Allez, on va tenter un remplacement. Et on va rester là. Il me reste encore deux changements. Allez, carton jaune pour Clermont. Carton jaune pour Arroyo. Allez, un coup franc pour Clermont. Allez, attention, sur le côté, le centre, demi-volée. C'est à rater. Ouh. Allez, tenez encore un petit peu. Je vais faire un dernier changement. Allez, on va faire un dernier changement. Tac, tac, tac. Tibor, toi, tu vas rester. Je vais changer Arroyo qui a pris son petit carton. Je voudrais pas qu'il prenne en rouge. On en a besoin encore pour les prochains matchs. Allez, Gibo à l'attaque pour Boutaïb. Boutaïb le dribble. Le dribble, le dribble. Ça va un peu latéral. Encore un dribble. Vas-y, vas-y, tire, tire, tire. Tire, mon gars. Oh, dévié. Oui! But contre son camp, c'est pas grave. Ils ont le droit de marquer contre leur camp. Encore un pénalty pour Boutaïb. Au tir, un pénalty. Allez! Et ça, c'est la valise, ça, les gars. Oh, on revient en forme. On revient en forme. Allez. Contre-attaque pour Clermont. Bon, on risque plus rien. Hein, 5-1. Intercepté par Meignot. Bien, mon petit Meignot. Vigilant, défense. Allez, un coup franc. On n'a plus, c'est Basile qui va tirer. Demi-volée pour Temor. Eh oui, on a sorti notre tireur de coup franc. Ah, ça fait du bien, les gars. Oh, que ça fait du bien au moral. Deux matchs de victoire. Bon, reste à savoir ce qu'a fait Toulouse maintenant. Et. Ah, ben je les ai en haut. Je suis bête. Toulouse, ils ont gagné, évidemment. 3-0. Et Guingamp, ils ont gagné. Bon. Bon, ben voilà, pas de changement. Ça nous promet une journée de demain hippique. Ouais. Écoutez, 69 points. Bon, ce qui est positif, c'est ça. On a enchaîné trois victoires là. À Toulouse, regardez, 5 matchs, 5 victoires, c'est. Ça va être compliqué. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme match toujours. Je sais pas si je peux le voir le calendrier de Toulouse. Tac. Saison. Classement effectif. Je peux pas voir où, je peux pas voir contre qui joue le prochain match. On peut voir juste les notes. Bon, ben écoutez, hein. Écoutez les gars, c'était une bonne soirée quand même. Malgré que je vais vous sortir la vidéo en retard, je suis encore désolé pour ça. Mera qui progresse. C'est quoi ça? Course en solo. On va pas lui faire travailler course en solo. Il est défenseur gauche. Centre. Pista. Vitesse, tête, tacle. Ouais, ça sera plutôt tacle. Ok. Woyo Koulibaly qui progresse aussi. On l'a fait jouer un petit peu. Il est quoi, défenseur droit? Ouais, là, il faut absolument t'améliorer en tacle. Il est mauvais, il est pas très bon en tacle, il est pas très bon en marquage. C'est quand même assez embêtant pour un défenseur.
Tac. Donc là, c'est aucun match prévu. Donc on va faire du évolution du joueur et jeu offensif. Bon, et voilà, les gars. On va sauvegarder la partie là. Puis on se retrouve demain. Alors, on n'a pas avancé par rapport à tout à l'heure, mais on n'a pas reculé non plus. Donc, voilà, on va dire on a maintenu notre place. Ben écoutez, merci encore de continuer à me suivre. Et puis, je vous dis à demain. Et puis, surtout, portez-vous bien, les gars. Allez, ciao, ciao, à demain.